Salut les amis! Bon alors aujourd'hui on va se retrouver pour le fameux tutoriel pour le montage du dérailleur du bitume 340. Du fait que la dernière fois je n'avais pas réussi à le finir à cause de SRAM et Shimano, hein, comme je vous l'ai expliqué, entre SRAM et Shimano, ça ne fait pas bon ménage hein, tout simplement. Donc j'avais commandé les pièces pour pouvoir justement le terminer. Alors, faut pas mentir, j'avais commencé la vidéo, tout s'était bien passé au début. Sauf que, ben. Décidément, je vais te maudire avec le SRAM, rien n'y fait, rien n'y fait, rien n'y fait. J'ai bien monté le dérailleur, j'ai essayé de faire des réglages, j'ai des réglages, j'ai des réglages. Rien n'y fait, je n'ai jamais réussi à régler je dirais pas le mot, mais bon, de dérailleur. Hein. Bon, voilà, vous m'avez compris. Alors, vous allez me dire, ouais, et contre SRAM, pourtant c'est du bon matos. Ouais, SRAM c'est du bon matos, ça, je suis d'accord. Alors, je sais pas si celui-là, c'est parce que c'est le X3, c'est du bas de gamme, c'est pas très précis, mais. Je n'ai jamais réussi à le régler. Donc, je recommence même l'intro de ma vidéo. En fait, je fais ma vidéo en deux fois. Je recommence tout. J'ai perdu la moitié de mon après-midi juste à cause de ce dérailleur. C'est comme ça, pas de chance. Alors, soit il y a un défaut de fabrication, soit c'est moi qui dois être bête, j'en sais rien. Mais moi, sur un de mes VTT d'heure, j'ai un SRAM X5. Il est réglé pile poil. J'ai une manette de SRAM. Je suis pas emmerdé. Franchement, je comprends pas. Bon, enfin bref. Donc là, bah, ce que j'ai fait, bah, j'ai pas cherché à comprendre. Plutôt que changer le dérailleur, j'ai fait le choix de piquer un shifter 7 vitesses, vraiment un rapid fire sur un autre vélo que j'avais. Ça m'embête, mais bon, tant pis. Faut bien que je puisse quand même terminer cette bitwin. Hein. Faut bien que je puisse le rendre à la personne. Je m'arrangerai avec pour le reste. Et puis voilà. Donc maintenant, bah, on va voir tout simplement comment régler son dérailleur proprement et la bonne méthode, on va dire. Allez, à tout de suite, les amis. Allez, amis, c'est parti pour le fameux réglage du dérailleur arrière. Alors, j'ai oublié de le préciser dans l'intro. Du coup, ben, du fait que j'ai rechangé de shifter, je suis reparti chez Shimano. Hein, parce que le SRAM, si je vous dis que ça ne fonctionnait pas, c'est qu'au niveau de la manette, ça ne fonctionnait pas. J'en ai pas d'autres. J'ai regardé, mais j'en ai pas. Alors, moi, je me demande si c'est pas tout simplement aussi la manette qui met un petit coup dans les gencives. Parce qu'en fait, quand je disais que j'avais un problème de réglage, c'était tout simplement au niveau du shifter, dès qu'il relâchait un petit peu, paf, la vitesse elle sautait, c'était pas précis, enfin bref. Je passe, je suis repassé en full Shimano tout simplement, en Shimano SIS, hein, tout simple. J'ai mis un shifter premier prix en 7 vitesses, hein, en Rapid Fire. Mais voilà. Bon, je sais d'avance que tout fonctionne très bien, sinon je serais pas en train de vous faire la vidéo, hein, faut pas être fou non plus. Après, bon ben voilà, c'est aussi là qu'on se rend compte que j'ai des choses vraiment précises et. C'est une très bonne chose. Donc voilà. Bon, les amis, on est parti pour le réglage du dérailleur lui-même. C'est parti. Donc, comme d'habitude, hein, première chose à faire, faut pas attacher votre câble sur le dérailleur. Vous passez votre câble au niveau des gaines, tout ça, du shifter jusqu'au dérailleur, mais vous n'attachez pas votre câble. Vous le laissez pendre, il n'y a pas de souci. La première chose à faire quand vous faites un dérailleur, que vous fassiez un changement de dérailleur ou un réglage, ou voilà. Vous commencez câble détaché complètement, tout simplement. Alors pour ça, ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur les butées hautes et basses. Alors vous en avez une pour les petites vitesses, c'est-à-dire vitesse basse, comme on dit, et une autre pour les vitesses hautes, c'est-à-dire crampignon. Et comme je l'avais expliqué, bien souvent, c'est souvent le problème, c'est celle du haut qui pose problème parce que le dérailleur passe dans les rayons et ça fait de la casse. Donc aujourd'hui, on va voir comment éviter tout cela et comment bien tout régler. Allez, c'est parti. Donc là, on va partir mal réglé volontairement. Comme vous le voyez, ça clique. Ça clique. Alors pourquoi ça clique? C'est tout simple. Alors c'est volontaire, hein, ce que je fais, c'est pour bien vous montrer. Ma chaîne, elle est trop en extérieur. Elle est trop par ici. On voit bien que ma chaîne par rapport au galet n'est pas en face du premier pignon. On voit qu'il y a un décalage. Si on voudrait qu'elle soit bien, faudrait qu'il soit à peu près comme ça. Il faut que le galet qui est ici soit aligné au premier pignon ici.
Tout simplement. Il faut vraiment que ça forme une ligne vraiment parfaite. Alors, il faut que ça forme une ligne, mais il faut aussi que votre chaîne ne vienne pas frotter les rivets, les matages, hein, comme vous voulez, ne vienne pas frotter sur le deuxième pignon. Parce que si ça vient frotter, je vais vous montrer manuellement avant de régler le buté, ça va faire le même effet, mais inverse. Alors, j'exagère un petit peu. C'est sensible. Vous voyez? Oh, vous voyez, ça va frotter, ça va faire clic-clic-clic. Vous voyez, on le voit que la chaîne, elle saute un petit peu. Voilà, hop. Et inversement, si c'est... Si la butée n'est pas assez serrée, c'est trop en extérieur et ça fait le même effet, mais inverse, tout simplement. Donc, déjà, on va régler un petit peu notre première butée basse pour pouvoir aligner le dérailleur. Vous voyez, il se déplace. Hein. Bon, j'exagère un peu pour bien vous montrer en vidéo. Voilà, on voit bien que ça influe sur le déplacement du dérailleur vers le bas. Enfin, sur les pignons du bas, c'est ce que je veux dire. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est observer que votre chaîne fasse bien une ligne par rapport au galet, tout en même temps en surveillant que ça ne vient pas toucher le deuxième pignon. À mon sens, là, on ne doit pas être trop mal. Voilà. Ça ne fait pas clic-clic-clic, c'est parfait. Donc voilà, nous avons le point de départ. Une fois qu'on a le point de départ, c'est facile. On vient attacher tout simplement notre câble de dérailleur. Alors on tend, mais sans exagérer. Alors comme vous le voyez, hein, comme je l'ai toujours expliqué, sur Shimano, il y a une petite butée, un peu comme les butées de gaine, donc vous connaissez le système. Toujours le même principe que les freins, vous laissez un peu de filetage. Au niveau de la manette, c'est pareil, vous pouvez laisser un peu de filetage. Alors vous tenez en enroulant un peu le câble autour de votre doigt et vous serrez. Hop, voilà, pas besoin de serrer comme des fous, hein, vous voyez, moi avec un simple tournevis. Hop. Bon, derrière, elle bouge un peu, mais une fois que c'est pincé. Voilà. Une fois qu'il est bien pris, là. Hop. Donc avant de faire quoi que ce soit en notre réglage, on a déjà vérifié le déplacement du dérailleur. Voilà. Donc on voit qu'il bouge bien. Donc c'est bon. Alors maintenant, c'est pas compliqué. Si vous avez bien tendu le câble correctement jusqu'au mi-faux, toutes vos vitesses ont bien passé. Peut-être un petit peu à régler un petit peu la tension au milieu de course, mais souvent ça se passe bien. Alors travaillez toujours au premier plateau, c'est plus facile. Surtout quand vous allez monter vos vitesses sur le grand pignon arrière, donc il vaut mieux travailler avec le petit plateau. Allez, on y va, on va faire un premier essai. Hop. Vous voyez, là ça passe, nickel, il n'y a pas de bruit. Très important, il faut surtout qu'il n'y ait pas de clic-clic-clic, il faut que ce soit souple. Vous appuyez pas, vous aidez pas de la manette pour passer la vitesse, vous appuyez une fois, une pression, c'est tout. Normalement, ça doit être nickel. Vous voyez, impeccable. Impeccable. Encore que, ça a un seul frein que vous entendez, il n'y a rien de bien méchant. Encore que moi, vous voyez, ça me convient pas. Bon, vous l'entendez peut-être pas à l'oreille, mais moi, j'entends. Il y a un léger clic-clic, et vous voyez, je regarde visuellement, vous ne le voyez peut-être pas, je ne sais pas, ça frotte légèrement sur le pignon. Alors, comment on fait dans ces cas-là? On joue un tout petit peu sur... Voilà. On joue un petit peu sur la tension au niveau de la butée, c'est pour ça qu'il faut laisser un petit peu de filetage. Hop, et on recommence, on reprend. Voilà, et là, c'est impeccable. Hop, voilà, ça n'empêche pas de monter, hein, c'est pas parce que j'ai joué un petit peu sur... Hop, vous voyez, c'est impeccable, ça monte bien. Et attention, on va aller au point critique. Alors là, c'est ça passe ou ça casse. Là, ça passe. Mais alors, est-ce que si j'appuie, si je continue à appuyer, est-ce que ça passait dans les rayons? On va essayer. Non. Mais il y a un petit bruit, un petit quelque chose. Hop. Pourtant, ouais, je suis un petit peu trop par là. Vous voyez, il n'y a pas grand chose. Hein, c'est vraiment. Alors, ce qu'il faut, c'est resserrer un petit peu votre vis de butée. Pas grand chose. Même un quart de tour, des fois, il y en a assez. Bon, ben, je crois que sur celui-là, j'aurais pas mieux. Mais voilà. Ce qu'il faut surtout. Voilà, c'est que quand vous appuyez sur votre manette de dérailleur en grand pignon, en première vitesse, le dérailleur ne bouge plus. Il ne puisse plus aller plus loin que le premier pignon. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument bien régler votre butée. Je vais vous montrer pourquoi. Si votre butée est trop desserrée,
c'est-à-dire la vis desserrée. Hein. Je vais le faire exprès. Hein. Il va passer dans les rayons, moi je vous le dis. C'est volontaire. Si vraiment ma butée est mal réglée, et encore si j'y arrive, des fois, ah, si. Hop, voilà. Ça, c'est le coup classique. Vous l'avez vu, la chaîne est passée au-dessus. Ça, c'est juste dans le cas où votre butée est mal réglée. C'est tout simplement ça l'erreur qui se passe bien souvent. C'est que la butée est trop desserrée. Du coup, le dérailleur est trop libre et peut partir côté rayon. Donc, bon, alors, on va jouer le jeu. Hein. Hop, voilà, on va remettre le dérailleur. Hop, voilà. Voilà, tout simplement. Alors, comment corriger ça? Bah, c'est tout simple. Hop, je vais bouger un petit peu le vélo, pas trop. Parce que... Vous venez resserrer un petit peu votre vis de butée jusqu'à temps que vous sentiez qu'elle tape. Voilà, hop, là, elle est en butée, elle ira pas plus loin. Vous le sentez en fait, dès que ça devient un petit peu dur en tournant, paf, vous arrêtez. Et là, je peux appuyer comme un fou sur mon. Ah, ils ont mal remis. Voilà. Hop, c'est là. Et là, vous pouvez appuyer. Vous voyez, hein, bon, enfin, vous ne voyez pas, mais j'appuie. Derrière, il ne bouge pas, tout va bien. C'est juste ça le problème. C'est que souvent, la butée des hautes vitesses est trop desserrée. C'est juste ça le petit souci. Rien de plus, rien de moins. Voilà, je peux vous dire mieux. Maintenant, on va vérifier, maintenant qu'on a terminé le réglage de la butée haute, on va vérifier que tout redescend bien. Alors, à l'effet inverse, pareil, quand ça descend, ça ne doit pas faire clic, 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 comme là. Un petit quelque chose, il n'y a pas grand chose. Je vais essayer de ne pas me rappeler le nez avec. Donc, pareil, là. Hop. Des fois, ça ne joue pas grand-chose. Hein. Même un quart de tour ou deux, il y en a fait pour pouvoir supprimer un petit brouillon. Bon, là, c'est correct. Voilà. Vous voyez, ça passe, c'est souple, ça fait pas de bruit. Voilà, c'est impeccable. Là, ça me plaît. Voilà. Vous voyez, c'est impeccable. Hop, voilà. Allez, on refait un tour en remontant pour vérifier, car on est bougé. Ah, je vais parler trop vite. Ouais, je vais parler trop vite. Donc là, ce qui peut se passer, je ne peux pas mentir, mon câble est neuf. Donc je pense qu'il s'est mis en place. Je vous en ai déjà parlé une fois dans une vidéo. Donc comment on fait dans ces cas-là? Il y a deux solutions. Soit vous trichez avec la vis de butée, bon, je vous les conseille. Soit vous redesserrez. Un petit peu, tant pis. Je sais que c'est pas marrant à faire. Et vous venez retendre, voilà. Mais ça, je vois pas grand chose. Hein. C'est vraiment. C'est tout petit hein, comme réglage de tension. Il n'y a pas grand chose à dire. Vous venez bien resserrer votre câble. Et normalement, alors, maintenant que tout s'est bien mis. Cherche pas, je pense aux oignons du shifter, que ça lui bouge un petit peu et bien se mettre. Oh bon, c'est reparti. Vous voyez, hein. Là, pareil, je sais que je vais redescendre un petit peu. Voilà. Hop. Donc là, peut-être que j'ai tendu même un petit peu trop mon câble. Bon, là, c'est... Voilà, tout simplement. Hop. Hop. Vous voyez, là. Heureusement que je laisse une petite marge. Hop et voilà. Hop et voilà. Tout simplement. Alors si jamais c'est pas encore impeccable, vous pouvez jouer un petit peu sur la butée de niveau du shifter. Voilà, et ça corrige le problème. Hop, voilà. Après, voilà. Hop, hop. Après, il faut jouer un petit peu pour ajuster. Après, ça vous aussi à l'entendre à l'oreille et à savoir travailler, comment dire. Enfin, travailler, c'est pas dans le sens, vous savez pas travailler, c'est dans le sens travailler avec. Les buter, tout simplement, attention. N'aie pas m'assassiner dans les commentaires dans ce que je n'ai pas dit réellement. C'est pas ça que j'ai voulu dire. Hein, loin de là.
Et de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend. Hop, voilà. Et voilà. Bon, je suis pas encore tout à fait satisfait de mon truc. Il a tout est neuf, faut pas mentir. Même la chaîne, j'en ai pas parlé, mais elle est neuve. Voilà. Bon. Donc voilà un peu. Voilà un peu comment régler un dérailleur facilement. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Je vais vous faire un petit résumé vite fait. Donc, première chose à faire, vous montez votre dérailleur, vous passez votre câble, les gaines, etc. Vous n'attachez pas le câble. Vous alignez par rapport à la butée des vitesses basses. Votre galet par rapport au petit pignon, hein. Bon là c'est décalé, hein, bien sûr, je suis pas sûr, je vais redescendre, si ça peut vous aider. Hop. Donc vous alignez le galet par rapport au premier pignon, il faut vraiment que ça forme une belle ligne, vraiment nickel, hein, vous l'avez vu, hein, le moindre petit décalage, chaque clic, ça ne doit pas. Vous faites vous attachez votre câble, vous le tendez bien, vous attachez votre câble en laissant un petit peu de filetage au niveau de la butée, hein. Comme le système de frein, comme je vous ai déjà expliqué. Vous faites un essai, vous montez aux vitesses. Si tout va bien, tant mieux. Si vous entendez un petit clic-clic arriver au milieu, vous faites un petit ajustage au niveau de la butée. Hein, je peux vous dire mieux, rien de bien méchant. Un petit quart de tour, des fois, autant ou détente selon ce que vous avez besoin. Vous redescendez, vous remontez, vous faites plusieurs essais, et voilà. Mais je ne peux pas dire mieux. Alors, arrive en haut, n'oubliez pas, ben, même système qu'en bas. Une fois que vous êtes en haut de vos vitesses, grand pignon. Hop. Voilà, une fois que vous en êtes là, bah c'est exactement pareil qu'au départ. Vous devez aligner la chape par rapport au grand pignon et faire en sorte qu'il n'aille pas plus loin. Donc vous mettez en butée la vis pour pas que ça aille plus loin que le grand pignon. Voilà les amis, je peux pas vous expliquer mieux que ça, c'est pas bien compliqué. Après, ben pour mieux comprendre les choses, j'ose dire, faut pratiquer, tout simplement. Faut essayer. Alors, ne vous inquiétez pas, au début, on fait des bêtises, hein, comme tout le monde. Hein, des fois, on n'y arrive pas du premier coup à bien régler son dérailleur. Il faut faire, refaire et comprendre pourquoi ça ne va pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien aidé quand même. J'espère que j'aurai fait au mieux, au plus clair, on va dire. Et que ça vous servira. Voilà les amis, allez, on se retrouve dans quelques secondes sur l'établi. Donc voilà les amis, on vient de voir un petit peu comment régler son dérailleur arrière. Hein. Franchement, c'est pas bien compliqué au total, hein. Il suffit de bien régler le départ et tout simplement la fin, j'ose dire, hein. C'est-à-dire petit pignon et grand pignon. Une fois que vos deux butées sont réglées, c'est tout, hein. Vous êtes tranquille. Hein. Normalement, si tout est bien propre, c'est-à-dire gaine, câble, shifter, dérailleur, pignon, enfin cassette arrière. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, hein, franchement. Même la chaîne, il faut qu'elle soit en bon état, bien sûr. Mais je veux dire, si tout l'ensemble transmission est en ordre, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Après, c'est juste une histoire de réglage et de prendre son temps, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et j'espère, hein, dans tous les cas, c'est le but, hein, vous soyez déjà abonné. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions si besoin, parce que je me doute que cette opération va susciter des questions. Donc j'essaierai d'y répondre au mieux, il n'y a pas de souci à ça. En attendant, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Allez, à la prochaine, merci.